C'est de la rage. Ah, c'est sûr que j'ai un rage. Je vais pas pouvoir me trouver ça là. Monsieur Brown, s'il vous plaît. Ma tante ne s'attendait pas à recevoir deux personnes en même temps. Et il est difficile de répondre à vos avances et à vos questions tout à la fois. Oui, mais il n'y a qu'à respecter le temps qu'on est arrivé. On était là les premiers. Ah bah, votre mauvaise volonté, évidemment, de tous les deux. Je crains que ma tante me donne suite à votre. Oh, mais on va pas se faire les conduire comme des malpropres avec tous les kilomètres qu'on a fait, hein. Dis quelque chose, mon bébé. On va pas répondre. Si vous avez jamais entendu un bout en colère, vous allez être. Vous savez quoi? On va laisser ma tante se reposer, hein. Et on en parlera demain matin tranquillement. D'accord? Dans ce cas-là, je vais aller faire une auberge du village. D'accord. Et je vous apporterai des croissants tout frais. Et bien, en ce qui nous concerne, nous dormirons dans notre camping-car, c'est un vieux équipement. Et je vous apporterai des petits pains de chocolat. Oh, des croissants plus belles. C'est autrement meilleur que les petits pains pour écorter une morceau de chocolat pas coutume. Oui, mais c'est sûr, patron, tu vas les prendre les pains. Si tu continues à m'emmerder encore. C'est que Barnabé et moi, on est des hommes virils. On démarre au calme. Hein? Ah, oui, Barnabé. Oh, bien d'accord avec toi, mon frère. Ah, ça, que Barnabé. Oh, bien que mon frère. Ça y est, vous avez terminé vos effusions d'amitié, on peut prendre congé. Dans ce cas, messieurs, à demain. Allez. Oui, c'est ça, bonne nuit. À demain. On vous retient pas, messieurs. À demain.